Praise the Lord. Praise the Lord. Elle est plat doa et tout moindre que tu sors et bas du ragbe. L'apprenti ou bien monsieur l'apprenti a utilisé, a usé de sagesse pour sauver ses dents. Mr. Apprentice used wisdom to save his teeth. Parce qu'il voyait qu'il y a quelque chose qui le dérangeait. Because he saw that there's something that was bothering him. Il voyait qu'il y a quelque chose, regarde, plus de 100 verres. Hein? Est-ce qu'il peut, il peut s'en sortir? Impossible. 100 worms, more than 100 worms, can you manage to escape? Impossible. Tout ça dans son trou, chaque jour, si c'est l'eau chaude, il met des choses tout juste pour combattre ce qui ne va pas pour son corps. All of his teeth are whole. There's hole in his teeth, and he pours hot water in his teeth. Every day he pours antidotes in his teeth just to calm the pain, just so that he can finish with this problem. Si nous voyons, if we see, la plupart des gens, il y a des gens qui ont souffert pour maux de dents, et il y a des gens qui sont victimes de dents. The most part of people have suffered for just because of their teeth, and a lot of people have become victims. They've been victims in this. Il y a des gens qui sont victimes de dents. There are people who demandez, vous victims. Allez voir. Une seule dent, coup d'une seule dent, problème est venu. Ask and you'll see. Just because of one tooth. Je me rappelle, mon père et ma mère m'ont raconté une histoire. Quand j'étais, mon père m'a enceinté, il a enceinté ma maman 2 mois. Ma mère m'a dit le problème qui s'est produit. My father and my mother told me the story after my father impregnated my mother after 2 months, and they told me they told me what happened. Que le papa de Elolo. That the father of Elolo. Il est mal aux dents. He has toothaches. Et mon père dit non, qui connaît les herbes. And my father says he knows a herbal remedy. Parce que le papa de Elolo, quand il crie la nuit là, tu ne peux pas dormir. Because Elolo's father, when he screams at night, you cannot sleep. Il allait le visiter. He went to go pay him a visit. Il allait le visiter. He went to go pay him a visit. Il dit, à quoi? Il dit, oh, le papa de Elolo veut mourir. What's the matter? He says, oh, Elolo's father wants to die. Il veut mourir. What's the matter? His tooth. He's going to die. Qu'est-ce qu'ils ont fait? What did they Mon do? Papa allait chercher le feu. My father went to go look for leaves. Il a mis potasse sur le feu là. And he put potassium on the leaves. Il a préparé puis il a déposé sur la droite texte qui le fait mal. And he prepared it, the mixture, and he put it on the precise area of the pain. Tout juste dit que quand on met dedans, ça va tirer tous les vers, tout ce qui est dedans là. Ça va tirer, puis il va vomir ça. Et puis il va dormir tranquille. Et puis le lendemain, on va l'amener à l'hôpital. In the hope that it will extract all the worms and all the bacteria, everything that's infecting the tooth. And the next morning, he'll vomit everything. And the next morning, he'll just go to the hospital to follow check-up. Et mon papa était avec eux pour lui dire, non, ça va aller. Et il criait toujours. My father was with them to encourage them. It's going to go. Everything's going to be all right. But he's still screaming. Un bon moment, il ne crie plus. One good morning, he's not screaming anymore. Mais, mâchoire gonflée comme ça. Mâchoire gonflée plus que sa tête. His jaw is swollen much more than his head. Maintenant il dit, ah, tu veux me tuer. And he says, you want to kill me? Tu veux me tuer. Is it, you want to kill me? Tu veux me tuer. You want to kill me, that's it. Et c'est devenu problème pour mon père et ma mère. And it became an issue for my mother and my father. Je vous dis qu'on a saisi tout le champ à l'époque de mon papa et ma maman. I tell you, they seized hold of all the property, fields of my father's and my mother's time. C'est comme de l'amusement, on a saisi ça pour mon père et ma maman. As if it were a play, amusement, they seized it, they took on hold of it. On a pris ma maman comme esclave. On prend tous les tonneaux déposés. Ma maman doit commencer à aller au marigot déjà 4 du matin jusqu'à à l'heure midi, on lui donne quelque chose, il mange jusqu'à le soir. Lendemain, va recommencer. Pendant jusqu'à ma maman a accouché. They have barrels of
Oh, water. My mother, already at 4 o'clock, she has to be at the marigold to fill all those barrels. At midday, they give her something to eat. And the next morning, it comes. She comes back rehearsing the day, rehearsing the work, until 9 months are fulfilled and she gave birth to me. Ma maman doit aller au marigot pour les gens, pour qu'ils prennent l'argent. Ma maman est devenue esclave pour prendre l'argent, pour qu'on amène le monsieur à l'hôpital. Si nous avons besoin de l'argent, ma maman doit vendre l'eau pour les gens. Parce que on a attrapé mon papa. My mother has become a slave now. She has to go sell the water because they laid hold of my father. They arrested my father. Le papa de Lolo. And Lolo's father. Imagine. Porter grossesse jusqu'à 9e mois. Ça a commencé 2 mois. Ce problème a commencé 2 mois quand ma maman était enceinte de moi. Imagine bearing carrying a pregnancy, the second month of the pregnancy, she's carrying water on her head until 9 months. It began in the second month of the pregnancy, of my conception. Alléluia. Amen. Imagine. Avec ce problème. With this problem. Ma maman peut perdre ma grossesse. My mother can easily, she can. Avec ce problème. Lose si my pregnancy. Ma maman n'a pas la foi pour peser de l'eau pour vendre, mon papa peut mourir dans ce problème. If my mother doesn't have the strength to go through this situation, si my father pas can dedans, die. Le monsieur doit mourir, ça est devenu problème. If there's no money to pay the hospital fees, the other man can die, and it's an issue too as well. Mais quand ma maman m'a dit quand je suis né, but my mother told her that when I was, she told me that when I was born, le monsieur aussi il a sa guérison. The man, he found his healing. Avant que le monsieur va avoir sa guérison, maman m'avait dit qu'il avait fait un rêve. He had a dream. Et dans le rêve, and in the dream, il voyait quelqu'un qui apportait habit blanc. He saw someone who was, wore a white cloak. Et il a les ailes. And he has wings. Il a les ailes. He has wings. Et il le disait, and he was telling him, que tu ne mourras pas. You won't die. Le monsieur aussi ne mourra pas. The other man as well won't ton die. Mari aussi ne mourra pas. Your husband won't die. Ton mari aussi voulait faire du bien. Your husband wanted to do good. Mais la main des sorciers ont rentré dedans. But the hand of the sorcerers, they played in it. C'est ce qu'ils faisaient aux gens. Les gens, ils ont leur guérison pour les dents. Mais cette fois-ci, les sorciers veulent détruire cet homme. It's what he had a habit of doing for other people, but this time the witches, they put their hand into it and they wanted to destroy this man. L'enfant que tu as dans ton ventre là. The child of whom you are pregnant. Si tu ne vas pas faire un avortement. You won't miscarry him. Tu ne seras pas un avortant. You won't miscarry him. Cet enfant sera né. This child will be born. Et cet enfant va sauver le monde entier à travers cette douleur. Tous ceux qui souffrent comme toi, tu pis de l'eau dans le monde entier. Cet enfant va le sauver. Il faut écrire ça quelque part. Write it somewhere. This child will save all the souls of the entire world. The same way you're suffering, the same way you're going through hardship, he will save all of those, all of them going through hard problems. Cet enfant, Dieu qui a créé le ciel, a tellement d'une manière, il est différent de tous tes enfants. Lui, cet enfant, c'est un seul enfant, mais il vaut plus de 100 milliards de personnes sur la terre. This child of yours, he's different from all your other children. Him, God loves him, and the love that God has for him, it's different, completely different. He is worth, his value is more than 100 billion people on this earth. He alone is worth 100 billion people. Bien-aimé. Beloved. C'est pour cela que ma maman, il prenait soin de moi. That's why my mother, she took care of me. Et lui, il dit que je vais sauver le monde entier. And she said that I was going to save the dans entire cette souffrance. In this suffering. Que c'est ce que l'ange l'a dit. That's what the angel told her. Que lui croit. She believes. Dieu l'a montré comment je suis devenu quelqu'un important, homme fort, homme puissant pour le monde entier. God revealed to her how I became a strong, a mighty, comment je suis populaire, j'ai tout de l'argent, rien ne marque pas, j'ai fait du bien au monde. How I have everything, riches, popularity, reputation, I have nothing lacking me and I'm doing good to the world. Là, dans la tête de ma maman, there in my mother's head,
Quand je ne connais rien à l'école, il dit, ah, je dois aller à l'école. Parce que c'est l'école que je dois aller pour devenir quelqu'un important, pour sauver l'humanité. C'est l'école. Quand je ne vais pas à l'école, j'échoue, je dis, tu vas aller. Tu peux échouer 1000 fois, tu dois aller. Parce que l'ange m'a dit que tu vas sauver les gens. Mais lui ne croyait pas que Dieu a un autre plan pour nous. Even though I'm not good in school, if since I have nothing in my, she sends me to school because the angel told her I was going to save the world. So in her head, I have to go to school. Even if I don't pass the class, I have to go back. You can fail 1,000 times. You're going back to school. Je me rappelle une famille à Agnès à l'époque. I remember at that time there's a family in Agnès. Ses enfants ils sont partout dans le monde entier. Her children are everywhere in this world. Mais en août, il revient, toutes les familles avec leurs petits-enfants, partout, ils reviennent pour faire la joie avec leurs parents. Ils sont dans la joie, au repas, ils donnent l'argent à leurs frères, à leurs petits-frères, à leurs grands-frères, à leurs sœurs. But in the month of August, they all make an effort to come back so that they can spend a joyful moment in family reunions. And before they leave, they give gifts to each other, money to their big brothers, their elder sisters, their little brothers, their little sisters, before they go back. Et le jour quand j'ai appris qu'ils sont venus, moi, je n'ai pas été à l'école. The day that I found out that they came, I didn't go to school. J'ai pissé de l'eau, j'ai rempli tous les jars. I fetched water, I filled all the j'ai jars. J'ai pilé le foufou. I pounded the yams. Je suis allé apporter, j'ai poussé pousse pour aller amener les casiers de bière, sucreries, j'ai amené, j'ai poussé. I pushed the wheelbarrow, I pushed the chariot to go bring all j'ai the beers. J'ai travaillé comme un bulldozer. I labor like a bulldozer. Et parce que je sais que quand ils vont partir, moi aussi j'aurai quelque chose. Because I know that when before they leave, when they leave, I also win something. Quand ils finissent de manger, je prends les assiettes, je lave. When they finish eating, I take the dishes and I wash it. Et le jour-là, ils vont partir. That day they wanted to go. Ils viennent seulement pour fêter 15 août. They come only to celebrate la the 15th de, of August. La fête des yams. The festival of yams. Après ils repartent. And then they go back. Et le jour-là, j'ai fait le travail qu'on ne peut pas imaginer. I worked in an unimaginable way. Un travail qu'on ne peut jamais imaginer. A work that you can never imagine. Imaginable. Unimaginable. Mais, ma grande surprise. How my great surprise. Devant moi, je voyais comment leur grand frère qui a de l'argent dans la famille, il a donné à leur Benjamin. Je me rappelle, c'est 3 millions. Et regarde, il donne le plus petit au plus grand. 3 millions petits, celui qui le suit, 6 millions, celui qui le suit. Et c'est comme ils donnent jusqu'à, ils sont au nombre de 14 personnes. And I remember he started with his younger brother, the smallest in the family. He gave him 3 million. And following up the order, he gives the next one 6 million. The next one until the 14th person. There are 14 persons in the family. Je suis content. I'm happy. Je suis fier. I'm proud. Je sais que quelque chose va tomber aussi pour moi. I know something is going to fall down on my part. Et pour mon frère aussi. And for my brother as well. Parce que tout ce que moi je fais à l'époque, je donne tout mon argent à ma maman. Because everything that I was doing at that time, everything I worked, I give all the money to si my mother. Si je vends l'eau, l'argent que je trouve dans l'eau, je donne à ma maman. If I sell water, the money that I win from it, I give it to my mother. Si je vends maïs frais là, je vends au champ, j'achète, je viens, je vends ça. If I sell roasted corn or fresh corn, roasted corn, I sell it and I win the money, I give it to her. Fonio non cul. Je vends ça, haricots non cul. Je vends ça. Je vends beaucoup de choses. Raw beans, I sell it and I win the money and I give it to her. See, I sell a lot of things. Mais l'argent, je donne à ma maman. But the money, I always give it back to my mother. Et je vais aller chercher le bois pour venir vendre. Je donne l'argent à ma maman. Je fais jardin, je donne l'argent à ma maman. On transporte le sable, fait le socage, gravier dans l'eau pour faire sortir. On va, je donne tout ce qui a l'argent à ma maman. Everywhere I go, whether it's to be to go fetch sand at the marigold, whether it's to sell, I always give the money, the revenues always come back to my mother. Je me rappelle quand j'ai vendu tous mes salades, j'avais trouvé plus de 150, mais j'ai remis tout à ma maman qui n'a qu'à faire commerce. I remember when I sold all of my salads, my gardens, I won, the revenue was more than 150,000. I gave it to my mother so that she can start a business. Je vends le pétrole, je donne l'argent à ma maman. I sell gas, I give the money to my mother. Je vais transformer les mangues pour vendre, je donne l'argent à ma maman. Tout ce que je trouve l'argent, je donne à ma maman. Parce qu'on est nombreux, elle seule ne peut pas.
If I carry mangoes, baskets of mangoes, I give the revenues to my mother because she alone, she can't provide the needs of the entire family. She alone, she can't do it. Si j'ai l'argent, je vais pas donner ma maman. Elle m'a dit, j'ai fait rêve sur toi. Hein. Le rêve là, l'ange là m'a dit que c'est toi qui vas consoler le cœur de tout ce qui souffre. Là, le rêve là, tu dois commencer par moi avant d'aller commencer pour les autres. Hein. Quand il me dit ça, je suis devenu faible. Je lui donne l'argent. My mother, she tells me, whenever I have the money and I don't want to give it to her, she tells me, the angel, he told me, that you're going to consult, be the consolation of the entire world, huh? You're going to ease the pain of the entire world. It has to start by me first, huh? Remember? And when she tells me these words, I'm weakened, I'm in a weakened state, and I give the money to her automatically. Bien-aimé. Beloved. Quand mes frères, tous mes frères, ils prennent leur argent, ils achètent leurs habits, ils font tout. Et moi là, c'est pour moi seulement que je donne ma main, j'ai décidé, donne-moi tout mon argent. Non, je vais rien attendre de rêve. Non, donne-moi mon argent, je ne suis pas seul dans le monde. C'est pas moi ce que tu aimes au monde. Donne-moi aussi mon argent. Quand tu peux pas prendre chez eux aussi là, donne mon argent. Il dit, tu peux payer. Comment j'étais porté dans mon ventre pendant 9 mois. Comment j'ai souffert, j'ai épuisé de l'eau. Tu peux payer ça? Le jour que je vais t'accoucher, tu as vu comment j'ai... je n'aime pas ça, ça m'a affaibli. J'ai dit non, prends l'argent. One day, I told her, this is enough, I had enough of this. My other brothers there, they have their own money, but they use their money to provide for their own needs. You can't go to them and get money from them, but it's always to me that you have to come. I'm not the only person in the world. I'm not the only person that you gave birth to. I'm not the only person. Give me my money. I want my money. She tells me, can you pay me the time? Can you pay me the months that I was pregnant for you? The everything that I felt, everything that I went through because of you, everything that I worked. Can you pay me back the efforts I spent on you? Can you pay me back? And I weakened in a state. And I get no. Take it back. Bien-aimé, quand il commence à me dire ça, when she begins to tell me, je lui remets tout. I give her back everything. Je ne demande plus rien. I don't ask anything anymore. Bien-aimé, qu'est-ce que je veux dire par là? Beloved, what am là, I trying to say? Je vais dire à maman, peut-être tu as fait erreur. Moi, je ne connais rien. Même à cause de 3e, je ne sais pas écrire mon nom de famille. Peut-être mes grands frères là, au moins tu vois, mon grand frère Emmanuel là, lui va avoir son bac, tu vois, même il a eu son bac même. Et peut-être que c'est lui qui doit venir quelque chose dans la famille. Mon grand frère, regarde, lui là, c'est un peu pressé. Tout, je dis, moi, je suis nul. Il dit, non, c'est pas toi, c'est pas eux que j'ai vu, c'est pas eux que l'ange m'a vu, c'est pas eux, c'est pas leur grosseur que j'ai porté. L'ange, j'ai vu l'ange dans mes rêves. C'est ta grosseur que j'ai porté et ton papa a problème 2 mois. Et j'ai fait ce rêve entre 8 mois. J'ai fait ce rêve. C'est pas eux, c'est toi. J'ai dit, moi, je ne connais rien au papy. J'ai dit ça là, je vais enlever ça dans ma tête, quoi. C'est comme il est en train de me tricher, quoi. Je ne veux pas. And I told her, I really don't think it's me, huh? Look, my elder brother, he already has his high school diploma. Look, he already has it. He already has his degrees. Maybe you made a mistake. Maybe it was him. Me, I don't know anything in school, secondary school from third. I don't even know how to write my own name. Maybe, no, it can't be me. I don't know anything in school. But she told me, no, I didn't make a mistake. There was no error made. It wasn't on your other brothers that I had the dream. It was in the 2nd month after your conception, between the 7th and the 8th month, that I had the dream. No one else I had the dream on but you. I didn't have the dream on your other brothers. But it was on you that the angel came and told me this and this and this and this and this. Bien-aimé. Beloved. Pourquoi je dis ça? Why am I saying this? Parce que ma maman, lui, a toutes ses visions sur moi. Because my mother, she has all of her dreams on me. Et je vois que dans la famille. And I see that in the family. Dans la famille. In the family. Dans la famille, il y a un qui dépasse tous les autres dans la famille. In the family, there's one that surpasses all the others si in the family. Si vous voyez David, il dépasse tous ses frères dans la famille. If you see David, he surpasses, he excels all his brothers. Ça ne dépend pas leur taille, ça ne dépend pas leur force. It doesn't depend matter about their height or their si strength. Si vous voyez dans la famille de Joseph. If you see in Joseph's family. Ils sont plus nombreux, plus de 12, les hommes 12, les femmes 1, Dina, on n'a pas côté même Dina, c'est 12 filles de Jacob qu'on dit toujours. Jacob's family, 12 boys and 1 girl, but they didn't even count Dina. Huh? There's always 12 boys. Tu comprendras pourquoi je dis ça. You understand why I mentioned tu this. Tu vas le comprendre bientôt. You'll understand soon. Bien-aimé. Beloved. Parce que ma maman,
Pour lui, je dois aller à l'école. Because for my mother, I have to go to school. C'est pas de devenir esclave pour les gens pour les servir. It's not to become a slave to people to serve them. Et j'attendais qu'on va me donner l'argent, moi aussi je vais aider mes frères. And I was awaiting that they're going to give me my part of the money. Le jour là, ma grande surprise. That day, my great Tout surprise. Tout le monde qu'on a donné millions, 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 millions. Everybody they gave millions and millions and millions to. À la fête, j'ai pris leur, ils ont acheté une arme, tout, j'ai mettais tout. Regardez, voiture que chacun amène beaucoup. Je transporte, je dépose, je fais. Je sais qu'aujourd'hui là, pour moi aussi là, au moins là. Ah! Au moins, je n'ai pas imaginé beaucoup quand même. Hein. J'ai dit au moins 10 000 là, on va me donner quoi. Si on me donne plus que ça, ah là c'est Dieu qui a voulu. At that day, I was carrying the yams upon my head. Everybody has cars full of yams, and I'm transporting the yams on my head. And I was esteeming that day, at least today, 10,000 at least. If it happens that it's more than 10,000, maybe it's the God who willed. But today, at least, I had something. I had a hope on this day. Un jour, si Dieu le veut, ma maman va faire ce témoignage. Vous allez écouter vous-même. One day, if God wills, my mother, she will give this testimony. You'll listen to it. Bien-aimé, beloved, tout ce que je vous dis là, c'est exact. Everything I'm telling you, it's precise. Je n'ajoute pas, je ne retranche pas. Exact. I don't subtract and I don't add. C'est pour cela que je vous ai dit, si je vais dire tout, mais si je vais parler de tous mes témoignages, je ne crois pas que je vais finir avant que je quitte cette terre. That's why I say, if I want to talk about all of my testimonies, I don't think I'll finish before I leave this earth. Ma grande surprise. That's my great surprise. Oh, tout le monde est rentré dans la voiture. Everyone's going inside the car. Et je fais au revoir forcé à tout le monde. Au revoir, je cours, je vais dans cette voiture. Au revoir, je cours, je vais dans. Au revoir, je cours, je vais. Au revoir, au revoir, au revoir. Et j'ai fait au revoir toutes les voitures, mais tout le monde dit ah, au revoir, au revoir, au revoir. Et petit, au revoir, au revoir. And that day, forcibly, I went to go. Goodbye, 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 goodbye. I went from car to car. Goodbye, 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 goodbye. And everyone was telling, yes, goodbye, little guy. Goodbye, little, goodbye, goodbye, goodbye. La personne même. The person himself. Qui a donné l'argent à tout le monde. J'ai fait au revoir chez lui, la plus de 100 fois même. The person himself who gave the money to everyone. Not 100. He didn't give me 100. Maintenant, pour au revoir, encore, je dis au revoir, il ne me regarde plus. Il regarde à un autre endroit. Je comprends. Je dis, je comprends le jeu là. On va pas me donner franc. On ne voulait pas me donner un franc. And that day, when I went to go greet him to say goodbye, he turned his head another direction. He didn't even look at me. And I understood that day. Oh, he doesn't want to give me money today. I understand this game. Pas ma grande surprise. At my great surprise. C'est ma maman qui est derrière moi. It's my mother who's behind me. Il a tenu mon oreille. She caught me by my Le jeu, head. Je crois que c'est couteau qu'on a mis sur l'oreille pour couper. Hein. That day, I thought they put a knife on my ear to cut it off. Hey, il a tiré mon oreille. The way she pulled my ear. Il dit, si on est pauvre là. She said, if we're poor. C'est pas ça. That doesn't matter. Elle grondait. She scolded me. C'est quelle honte ça. What shame is this? Hein? Hmm? Tu fais revoir, tu as travaillé, tu as pissé de l'eau, tu as pilé le foufou, tu as levé, tu as fait tout. On m'a raconté tout ce que tu as fait. Mais regarde comment tu fais comme un fou. Hein? On dit voler à l'école aussi. Pourquoi demain tu deviens quelqu'un important? Hein? Si l'ange m'a dit que tu dois sauver le monde entier dans leur souffrance là, c'est pas aller servir les gens, on m'a pas dit ça. Hein? Il a tiré mon oreille. She told me, look, they told me everything that you did. You pounded the yams, you fetched the water, you did this and that and this and that. Look, and you went around greeting everybody to say goodbye. That's not what the angel told me. Even if we're poor, the angel told me that you're going to save the world. You don't even consider school. They didn't tell me that you're going to run around being a slave to everybody. Instead of looking toward academics, you... Quand ma maman grondait et parlait, ça touchait le cœur. Ah. C'est vrai, l'enfant fait tout pour nous, mais on ne l'a pas donné un franc. Oh. Mais il fait semblant comme... Il ne voit pas ça. Et je rappelle mon ami. Aujourd'hui, il est à Amérique. Avant, il était donné. Entre-temps, je l'ai vu au niveau de... il a conduit à Agbodrafo, on sait... Quand il m'a vu, on s'est sauté. Et il s'est rappelé l'histoire. C'est lui qui m'a remis 500 le jour-là.
Je vais pas appeler son nom. And I remember that day, my friend, his name is Donny, he's in America. That day, he's the one who gave me 500 that day. I don't want to call his name, but he gave me 500 that day. And Abodrafo. Il était Donny. He was a soldier at the border. Alléluia. Amen. C'est lui qui m'a remis 500. He's the one who gave me 500. Mais quand il m'a remis ça, j'ai caché ça. Well, when he quand gave it to me, I hid it. Quand ma maman va me frapper là, j'ai dit, tu m'as frappé, tu sais combien m'a mis dans ma main. But when she was scolding me and whipping me, I held, maman, I kept maman, it back. Énervé. Si on donne une pièce là, ça veut dire que c'est pas fini pour nous. Hein? Et elle a grondé. She was angry, she scolded. Even if we're sleeping in one single room, that's not the end of the world. That's not the end of us. Bien-aimé. Beloved. Quand elle a parlé, elle a parlé. Qu'est-ce que j'ai? Faut parler. Qu'est-ce que tu as? Parle. She asked me at the end, what do you have, huh? Speak, what do you have? Et j'ai ouvert la main. J'ai dit, tu as vu? On m'a remis l'argent. And I opened my hand. Il dit, combien? You see, they gave quand me money. J'ai ouvert, c'est 500. And she says, how much is it? When I opened my hand, she says, à l'époque, 500. Les 500 là, c'est le papier. At that time, 500 was the bill. Ça m'a fait mal que c'est 500. It pained me that it was 500. Pourquoi ça m'a fait mal? Parce que je ne devais pas ouvrir ça. Si je savais que c'est ça, je ne devais pas ouvrir devant ma maman. Parce que ce qu'elle va me dire encore là, je ne peux pas supporter. It pained me to open it before my mother because if I knew, I wouldn't have shown the money to my mother. Because what she was going to tell me later, I couldn't bear it. Bien aimé, quand j'ai dit 500 livres, elle a ri, tu vois, 500. Pourtant, c'est toi qui fais tout pour nous nourrir, nous tous ici. Le temps, ça va être, regarde combien de jours ici. Et c'est sans te remettre dans ta main. Entre les deux jours, tu peux vendre l'eau à tout le monde ici. On peut avoir plus de 10 000. And she told me, look, she begins to laugh. Look, you've been working for all these people. They gave you 500. Instead of selling water like you did in past time, in 2 days, we can have more than 10,000. But you're the one who feeds the entire family. Instead of selling water and have at least 10,000, they give you 500. Ma maman m'a grondé. My mother, she scolded me. Et puis m'a posé question. Qu'est-ce que j'ai à dire? And she asked me the question, what do you have to say? Je l'ai dit, maman. I told her, mother. Ce que j'ai à te dire. What I have to tell you. Prête-moi l'oreille pour ça. Lend me your ear. Et écris ce que je vais te dire quelque part que la pluie ne va pas tomber un jour pour le frapper. And write it in a place where the rain won't pour on it one day. Elle dit, hein, je t'écoute. She says, yes, I'm listening. Je dis, maman. Mom. C'est la Bible qui a dit si quelqu'un est dans la joie. It's the Bible who said if someone is in joy. Que nous soyons dans la joie avec lui. Mais pourtant, je suis enfant de cœur catholique. She said, rejoice with those who rejoice. But I'm the son of a Catholic man. I'm a Catholic. C'est la Bible qui a dit ça. It's the Bible who said it. Si quelqu'un est dans la joie, soyez dans la joie. Si quelqu'un pleure, pleurons avec lui. If someone is rejoiced, rejoice with him. If he's sad, weep with him. Maman. Mom. Je n'ai pas fait ça pour qu'on me donne l'argent. I didn't do it so that they give me money. J'ai fait parce qu'aujourd'hui, ils ont besoin de moi. I did it because today they have need of me. Parce que c'est moi qui sais faire ce travail, ils ont besoin de moi. Because I'm the one who knows how to do this work. Mais and they have need of me. Pourtant, c'est toi qui as dit que Dieu va passer par moi pour consoler le cœur des gens qui vont souffrir. And you're the one who told me that God is going to work through me to be the consolation of those who are going through hardship. Elle m'a réprimandé. Tais-toi là-bas, vous souffrez. Ils ont l'argent, ils ont les gens. Regarde comment les gens sont nombreux sur eux. Est-ce qu'ils ont besoin de toi? Si tu n'es pas là, ils ne vont pas manger. And she rebuked me. She says, be quiet and you forget those things. Look, suffer. You think they're in sufferings. Look at how many people they are. If you're not there, you don't think that they'll eat? Je me suis bien rappelé de ce que je l'ai dit. I remember well what elle I told dit, c'est ce que je l'ai dit de ne pas écrire que la pluie ne va pas écrire sur un endroit que la pluie ne doit pas frapper. And I told her, write it down somewhere where the rain won't come and pour on it one day. Ce que j'ai dit. What I told her. J'ai dit, aujourd'hui, c'est eux qui ont besoin de moi parce que c'est moi qui dois les servir. Demain, qui le sait par rapport au rêve que tu as fait sur moi? Si c'est vrai ce rêve que tu as fait sur moi, moi je ne sais pas si c'est le vrai Dieu qui a envoyé son ange. Je ne sais pas, mais je ne sais pas pourquoi tu as gardé ce rêve-là. Si c'est le vrai Dieu qui a parlé à travers ses anges et qui a parlé et tu as cru. Est-ce que tu sais si c'est demain?
tout individu par lequel Dieu va passer par moi pour construire leur cœur. Pour le, tu m'as bien dit que je serai un instrument puissant pour Dieu, non? Pour ramener tous les âmes auprès de Dieu. Tu m'as dit ça, non? Auprès de Dieu. Mais pourtant, moi je sais les gens, tu cries. Si demain, si c'est le monde entier qui venait pour me servir, qu'est-ce que tu vas dire? C'est ce que je voulais que tu écrives sur quelque part pour que la pluie ne frappe pas. Si un jour, tous ces gens, tu vois, eux et leurs petits-filles, tout, et le monde entier aussi venait me servir dans ma maison, qu'est-ce que tu diras le jour-là? Tu vas dire que non, eux, ils sont bêtes. Tu vas les insulter? Non, tu seras content. Tu vois, c'est les deux mains qui se lavent. Aujourd'hui, là, c'est moi. Demain, on ne sait jamais. On ne sait pas que ce sera eux. Aujourd'hui, c'est moi qu'ils ont besoin. Demain, moi aussi, j'ai besoin d'eux. Peut-être demain, eux aussi vont venir me servir. Hein? C'est comme ça que Dieu fait. Si eux ne viennent pas me servir, demain aussi, les autres, le monde entier est plus grand que eux, non? Et ma maman ne veut rien comprendre. Mais elle a gardé cela pour me regarder. What I told my mother was, Mother, maybe today, they're the ones who have need of me. But tomorrow, you never know. You see, it's the two hands that you use to wash each other, one after another. They have need of me today, but who knows, maybe I'll have need of them tomorrow. They'll be the ones to come and serve me tomorrow. Maybe one day, they'll wind up in my house. They'll be in my house serving me. And if they ever come and serve me in my house, and you see them there at my house, would you come and insult them that, no, you're out of your mind, you're like this and you're like that? No, you wouldn't ever do that. I don't know why you had this dream on me. If it's truly the true God, the good Lord who told you who revealed this dream to you, maybe there's a reason to it all. You know, you see, the two hands, they use the two hands to wash each other. 2015, j'étais allé au Bénin pour le croisade. In 2015, I went to Bénin. Il y en a des gens que moi je n'ai jamais vu au Bénin. Ils m'ont servi de cœur. There are people I've never seen, but when I went to Benin, they served me with their 2016, heart. 2016, il y en a à Badjanakel. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Ils m'ont servi de cœur. In 2016, people from Abadjanakel, I never saw them, but they served me with their heart. 2017, j'ai parcouru beaucoup sur 2015, 2017, 2016, partout où on avait, partout dans le monde. In 2015, 16, 17, I went through all the villages at Takpame, and I went through all of the villages throughout the entire world. I went through them all. Et 2018, les gens quittaient partout dans le monde entier pour venir. And in 2018, people left the entire Ainsi their que countries 2019, to come. As well as 2019. Les gens quittaient partout dans le monde entier. People left their places in the world. Écouter ce que Dieu a mis en moi. They came to hear what God put in me. Hallelujah. Amen. C'est comme ça Dieu. That's how God is. Dieu est toujours Dieu. God is always God. Quand il dit le fait. When he says he performs. Quand il dit le fait. When he says he performs, he executes. Qui le sait? Who knows it? Dieu qui sait tout. God knows C'est everything. C'est Dieu qui connaît le commencement. It's God who knows the continuité beginning. The continuity. Et la fin de chacun de nous. And the end of each and every et one of us. Et c'est Dieu dans le ventre de ma mère. C'est Dieu qui a parlé. And it's God in my mother's womb. Comme dans le ventre de Jacob et son grand frère, Dieu a vu dans leur ventre. Il a parlé. Like in the Rebecca's womb, God saw Jacob and Esau. God spoke. Et c'est Dieu aussi qui m'a dit encore que j'ai parcouru 238 pays, 5560 villes. Vous voyez que les millions, milliards que Dieu avait dit, plus de 100 milliards personnes vont me servir. Voilà. Et ce que Dieu a dit, que ça vient de se réaliser. Et aujourd'hui, c'est pas la grâce de Dieu. Ces gens que moi, j'avais servi hier dans mon passé, pas la grâce d'aujourd'hui, pas la bénédiction que Dieu a mis sur moi, ça dépasse énorme ces gens. Je suis plus riche que ces gens-là. Je vous le dis, et c'est une vérité. Riche, plus que ces gens. Et regardez le monde entier, la plupart dans le monde entier, les gens qui ont quitté tous les pays dans le monde entier, ils sont au Togo. Et je n'ai personne. J'en ai que Jésus seul. Et Jésus passe par moi pour prendre soin d'eux. Si Dieu passe par moi pour prendre soin d'eux, l'hôpital, loyer, plus de maisons, on ne peut pas compter. Jésus sait qu'on est les maisons. Je n'ai rien dans mon compte, j'ai Jésus dans mon compte. Quand j'ai Jésus dans mon compte, j'ai ce que le monde n'a pas. Hallelujah. And today, beloved,
People leave the entire world, France and Ukraine. They leave their entire places to come here in Togo. If I were to call all the houses that we pay, the rent, the hospital fees, I can't count them all. And by God's grace, those people, they serve me today. Those people who I served back then, I'm richer than them all today. By God's grace, I am the one by God uses to pay the rent for some people. I am the one that God uses to pay the hospital fees for some people. I am the one that God uses I have no one to call, but I have no one to call, but Jesus is the only one I call upon. I have only Jesus in my bank account. Bien-aimé, beloved, ça c'est pour le don. If it's for their teeth. Si on va parler pour le don, je vous ai dit très bien qu'on ne peut pas quitter ici. I told you, if we're talking about just teeth, we won't leave here. Si on va parler pour le don, on ne va pas quitter pas ici aujourd'hui. If we were to talk about teeth, we won't leave here today. Si je parle pour le don, on ne va pas quitter ici. If we were to talk about teeth, we wouldn't leave here today. Bien-aimé, beloved, si on va parler pour l'œil, if we were to talk about the eye, si on va parler pour l'œil, if we were to talk about c'est the sur eye, le corps. It's on the body. Et mon œil, my eye. Une seule œil. One eye. Tout le corps a problème. The entire body has sourdement. Problems. Serious. Le corps a problème. Marque une seule œil seulement. The body has problems for just the sake une of one eye. Just one eye. Bien-aimé. Beloved. Une seule œil. One eye. Quand je suis à mission en prison. When I was on mission in prison. J'ai fait toutes les analyses dans le monde. Toutes les analyses qu'il le faut. J'ai fait. I went through all the analyses that there is in this world. Pour I did them voir all. Qu'est-ce qui ne va pas pour mon corps. To see what's not going on in c'est my body. C'est pour cela que j'ai un peu de notion sur ça et je vous partage. That's why I have a little notion of it and I'm sharing it with you. L'œil. The eye. Je suis allé. I went. On va mettre quelque chose sur ton œil et il y a une lunette qui bloque tes yeux. Tu fermes tes yeux et tu regardes à travers une lunette pour regarder sur le mur. On va allumer. Tu lis les alphabets A, B, C. Tu vas lire jusqu'à arriver. Bon, on change le programme. Ça devient petit. On change petit pour voir si tu peux lire loin. They put something on premièrement, one eye. On fait ça. Et tu fermes, on ne met rien sur tes yeux, tu lis seulement avec tes propres yeux, avec une seule œil. J'ai lu. Arrivé un bon moment, et au niveau de N ou bien X, au lieu de N, j'ai dit X. L'on dit, ça ne va pas. Arriving at, they put something on one eye, and you have to read the letters of the alphabet on the wall far away. The letters get smaller after each sequence. Arriving at somewhere down the sequence, instead of saying L or M, I said X. And the doctor said, there's something that's not going on. On m'a encore ramené de riz. They brought me backward to read arrivé again. Arrivé N, S, je dis N. On dit Arriving L, M, N, I say L, M. I mix, là, I confuse the letters. Je suis obligé de trouver ophtalmologue, professionnel et qualité quoi. There, I have to go find a doctor who's professional with the eyes. Je suis obligé de trouver ophtalmologue professionnel. I have to go find a professional doctor for my eyes. Agrégé quoi? Celui qui est fort pour mes yeux. A seasoned doctor for my eyes. Parce que la Bible dit que si tes deux yeux sont en panne et tu ne vois pas, tout le corps est ténèbre. Because the Bible says, if your two eyes are in darkness, your whole body is in darkness. Quand vous allez voir, quand j'ai fait le remerciement, vous allez voir, c'est en prison que j'ai fait pour les lunettes. Les trois lunettes ou bien quatre lunettes, c'est en prison que j'ai fait ça. You'll see in the video, the thank you video, after I came out of prison, it's in prison that I had 3/4 prescriptions for my glasses. J'ai pas fait ça pour mon orgueil ou bien j'ai pas fait ça pour se vendre. Non, j'ai fait ça pour un motif. I didn't do it for any other motive except my health. Mais avec le temps, quand je suis sorti, je suis allé encore là-bas pour me faire encore un analyse. On dit, il faut fermer les yeux. J'ai fermé les yeux. Quand j'ai vu N, je te vois bien. S, non, je te vois très bien.
Je les ai vus bien A à Z. Là, lunette est là. Je peux le porter ou je ne peux pas le porter. Hallelujah. After I left prison, they brought me back to the eye doctor, and he tells me to read the alphabets on the wall again. This time I saw the letters as they were. I see the L, I say L, I see M, N, N, O, A to Z, I call the letters. There, the glasses are there, I can wear it as I cannot wear it. Bien-aimé. Beloved. Ça, c'est pour l'œil, ça. That's for the eyes, hein? C'est pour l'œil. That's for the eyes. Il y a des gens qui ont des problèmes même, et ils ne voient pas même A. There are people that have problems, they don't even ils see A. Ils ne voient pas même B. No, not even B. Je connais, j'ai amené quelqu'un. Et on l'a mis le gros lunettes là, pour les vieux là, qui regardent, le lunette est gros comme ça, pour mieux voir clair, gros. On le porte, il dit, n'arrive pas à voir même A. Quoi? Petite, tu n'arrives pas à voir A? Il dit non. Il y a des gens qui ont des problèmes sérieux, avec problèmes des yeux, ils sont devenus aveugles aujourd'hui. Et il fait tout et tout pour qu'ils ne deviennent pas aveugles. Je vous dis une vérité. There's someone I brought to the eye doctor once. They prescribed him these huge glasses that your elders, that your grandfather wears. The glasses are so huge. They tell him, read the alphabet. Says he doesn't even see the letter A. Are you serious? Read A. He says, I can't see A. See, for the sake of the eyes, there are some people that are blind today. See, people do everything for their eyes' sake that they don't fall blind. J'ai fait tous les analyses qu'il le faut possible pour mon œil pour voir qu'est-ce qui ne va pas. There, I did all of the analyses possible to see what's the matter, what's wrong with my eyes, to see what's not going on. Tu vois, quand tu vas, on va te prescrire les médicaments, il faut jeter dans les yeux 4 fois par jour et tu dois compter matin, midi, hein, tu dois faire tout jusqu'à avoir 4 fois. Et tu n'as pas le temps, tu vas avoir le temps pour ça. Et pour y avoir des médicaments pour avaler, tu dois faire tout. Et tu dois savoir quoi à manger, quoi n'a pas mangé. And you have to know the dosage of eye drops you put in your eyes, salva that you put in your eyes. You have to know how much pills you take. You have to watch your appetite, what you consume and what not to consume for your eyes. Prisez-le. Hallelujah. À cause du temps, on va pas baser sur ça. Because of time, we won't vous stay here. Vous connaissez la plupart des yeux. Le gens du monde ophtalmologue m'a détruit mon œil. Je vais l'amener à la justice. Il a détruit le faux. Il ne connaît rien. Il n'a aucune papier. Il y a des choses qui se passent à la justice. Tu vas voir plein. Parce qu'il se bat pour son œil. Et il a trouvé aussi quelqu'un qui l'a détruit une fois de bon. Il est devenu aveugle. There are people, they say for their eyes' sake, the eye doctor, he ruined my eyes. They sue him, they sue him in the law, in the courts, for their eyes, because they want something for their eyes, but they found someone who destroyed their eyes once and for good. Bien-aimé. Beloved. Bien-aimé. Beloved. Bien-aimé. C'est pour l'œil. For your eyes. C'est pour l'œil. For your eyes. C'est pour l'œil, ça. That's for your eyes. Pour l'œil là, on fait tout et tout pour trouver ophtalmologue. On fait tout pour trouver le vrai. Si on a trouvé problème là, on va le créer problème parce qu'il va détruire notre œil. They find everything to find a doctor who's an ophthalmologist to see what's the problem with his eyes. To see something doesn't have to destroy his eyes. Et la plupart les gens qui souffrent pour les yeux, ils ne croisent pas les bras. Ils ne croisent jamais pour les bras. Ils se forcent pour qu'ils veulent voir leurs yeux en bonne santé, pour mieux voir, pour ne pas tomber dans ces paroles que Jésus a dit. Si tes deux yeux sont tombés, ils sont devenus aveugles. Il faut savoir que tout ton corps est dans le ténèbre. Et c'est une vérité. Quand tu es aveugle, toi-même, tu ne peux pas sortir. Tu es obligé qu'on va te guider. Si la personne qui te guide, lui aussi, il est aveugle, vous voyez, là où vous deux, vous allez vous tomber, comme le dit Matthieu 15, verset 14, les deux tomberont tous dans une fosse. Hallelujah. People, they do everything so that today, as the Lord Jesus said, Matthew chapter 15, verse 14, their two eyes are not plunged out into complete darkness. They do everything for the sake of their eyes. Si vous voyez, if you see, cœur, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. J'en ai passé par là. J'ai mal au cœur. Cardiac problems. I went through there. Tu dois chercher un bon cardiologue.
You have to find a good cardiologist. Pour ranimer bien ton cœur. To bring your heart back to life. Et si tu trouves faux cardiologue. And if you find a counterfeit, a false cardiologist. Là-bas, c'est danger. Laisse voir, là-bas, c'est danger. There, it's danger. The Ivorians, they say, it's danger, eh? It's danger. Bien-aimé. Beloved. Et quand on te fait toutes les analyses. And after all the examinations. Ils diront, ne te mets plus en colère. They'll tell you, don't get angry anymore. En mettant en colère un jour là, ton cœur va arrêter. Pop, c'est fini. Get angry again another day, your heart is going to stop beating. Pop, it's finished. Parce que quand le cœur va mal, tout le corps est dans le problème. Because when the heart is diseased, it's in problems. The entire body is in problems. Le corps a problème. The body has problems. Problème, sérieusement problème. Problems, serious problems. Ha, problème sur problème. Problems upon problems. Et on va te prescrire les médicaments. On doit faire l'analyse d'abord pour voir, examiner, pour voir, pour constater qu'est-ce qui ne va pas. Tu as quoi. On te dira que, tu vois, tu ne manges pas ça, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. Si tu fais ça là, toi, tu vas te tuer toi-même. Hein. Et tu sais, tu ne dois pas être quelqu'un qui se met en colère. Quand tu te mets en colère, tu risques d'avoir diabète. Tu risques d'avoir des tensions. On va tester des maladies incroyables. They'll cite you unbelievable sicknesses. They'll tell you the foods that you should consume and you should not consume. They'll tell you don't get angry anymore because it causes diabetes. It causes you high tension. They'll tell you for your heart's sake, hein? Bien aimé, beloved, for your heart. Et tu dois faire tout, tout. And you have to do comme everything. Dieu m'avait dit, like God told me. J'ai posé question à Dieu en jeûnant. I asked the question to the Lord in fasting. Je vais dire que je suis intelligent. I'm telling you, I'm smart. Je vais dire que je sais bien lire la Bible. I know how to read the Bible. Je voulais dire à Dieu qu'il m'a mis sa parole dans ma bouche. I told God, you put your word in je my mouth. Je le disais. I was telling you. Pourquoi tu as dit Genèse 6, verset 6 à 7? Why did you say Genesis chapter 6, verse 6 to 10? Ça t'a fait mal. That it pained you. Tu as créé l'homme sur la terre. You created man on this earth. Dieu, c'est toi qui parles. God, is it you that's speaking? Ou bien c'est tes anges. Or is it your angels? Si c'est tes anges là. If it's your angels. Si c'est tes anges là. If it's your angels. Au moins un là, ils savent que ils vont connaître. At least one is with you, they'll know everything. J'ai la part de Dieu non puissant de Jésus, le temps se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fit affaiblir en son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de l'avoir fait. Jésus dit, non. Je ne suis pas d'accord. Ouais, je suis devenu juge. And he repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air, for it repented me that I have made them. There I said, God, no. There, I'm not okay with you. I disagree. There, I become a judge. Dieu m'a dit, tu me poses cette question. God told tu me. Veux la, tu veux la répondre. You're asking me the question. Mais you want to know dire, the answer. Je vais te dire quelque chose. I want to tell you something. Si je ne te donne pas mon cœur. If I don't give you my heart, tu vas mourir. You'll die. Tu vas mourir. You'll die. Mais je te donne mon cœur. But I give you my heart. À toi de revenir pour me dire. For you to come back and tell tu me. Tu veux réponse, mais toi tu reviendras pour me dire la réponse. You want the answer, but you yourself will come back to me with the answer. Vous avez vu des vidéos qu'il a fait, ça fait longtemps, ça peut aller 4 ans, bien 5 ans, je ne sais pas, je ne me rappelle plus trop, et pas l'année. J'ai dit, Dieu, tu as raison, tu as raison. And you see the videos that I posted, made on YouTube 4 or 5 years ago, and I say, God, you're right, truly, you're right. Affaire des démons en chair qui sont autour de moi. Affair about the demons in the flesh, reincarnated demons who are around me. Ils m'ont fatigué. Oh, they wearied me. Si Dieu m'a pas donné le cœur. If God did not give me the heart. Les démons en chair, ils m'ont fatigué. Those demons in the flesh, oh, they tired me. J'ai trouvé réponse.
I found the answer. J'ai dit, Dieu, tu as raison. I said, God, you're right. Dieu, tu as raison, oh. Tu as raison. You're right, you're right. Si nous voyons Luc, si nous voyons Jean 6, verset 70, j'ai dit, Dieu, tu as raison. John chapter 6, verse 70. God, you're right. Je lis la parole de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 6, verset 70. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze, et voici, et l'un de vous est un démon. » Jésus même sait que Judas Iscariote est un démon. See, the Lord Jesus Christ himself knows that Judas Mais Iscariot il is a the devil. Choisi But he chose him. Pour que toi et moi, qu'on soit sauvés. So that you and I be saved. Le cœur que Dieu a pour supporter Judas Iscariot. The heart that the Lord has to bear up with Judas. Si Dieu m'avait pas donné le cœur là de supporter les démons en chair qui étaient autour de moi avant là. If God didn't give me the heart to bear with those demons that were around me all, longtemps. I should have been dead a long time ago. Je bénis le nom de Dieu qui m'a donné un cœur. But I bless the name of God who gave me a heart. J'ai compris que Dieu a raison. I understood that God has Parce right. Je voulais dire que je suis intelligent. Because I wanted to say that Parce I'm moi, smart. Je pose des questions intelligemment. Because I ask smart questions. Qui t'a dit que tu poses des questions intelligemment? Who told you ask smart questions? Moi, de voir les choses intelligemment. Qui t'a dit ça? Me, I discern things intelligently. Who told Moi, you that? Je crois que je suis intelligent à mon propre œil. I saw that I was intelligent, wise in my own eyes. Pas propre œil de Dieu. But not in God's own eyes. Je dis Dieu, c'est pas toi qui as dit que tu es l'alpha et l'oméga. I said, God, aren't you the one who said you're the alpha and the Dieu, omega? C'est pas toi qui as dit que tu es le commencement et la fin. Aren't you the one who said that you're the beginning and the end? C'est pas toi qui dit tu étais là, tu viens quoi. C'est pas toi qui dis ça. Aren't you the one who said that you are the one who was and is and is to come? C'est pas toi qui dis que tu es le Dieu tout puissant. Aren't you the one who said that you're the Almighty là, God? Là, tu ne sais pas. There, you don't know. Que Satan et que tu ne sais pas que Satan va séduire tout le monde dans le temps de Noé. You don't know that Satan is going to deceive everyone in the days of Noah. Tu ne sais pas. You don't know. C'est pas toi qui dis. Aren't you the one who says? Tu dis non. You're the one who says it, no? Que tu es Dieu non. That you're God que no. Que tu es l'alpha et l'oméga non. You're the alpha and the omega. Tu es le Seigneur no? Dieu non. The Lord God Celui no. Celui qui est. He was. Et qui était. And who was. Et qui vient. And it is tu es to le come. Tout puissant non. You're the Almighty no. C'est toi qui dis ça non. You're the one who says it no. C'est toi qui as dit. You're the one who says it. Oui, c'est toi. Yes, it's you. Tu es le vivant. You're the living. Tu es mort. Everyone et tu vis au siècle des siècles. Was dead, you live from ever and ever. Tu tiens les clés de la mort, des séjours, des morts. You hold the keys of death. Tu connais tout. You know everything. Pourquoi? Il y a des choses, je ne comprends pas. See, I read toi some... qui connais tout, pourquoi tu dis maintenant que ça t'a fait mal, que tu veux créer l'homme? Quand tu faisais l'homme qui va te faire mal dans le cœur, tu devais l'éliminer, tu dois enfermer là-bas, Satan, tu ne vas pas le créer même, tu l'as créé. Pourquoi tu dis qu'aujourd'hui ça te fait mal, Dieu, pardonne. Pardon, pardon, j'ai supplié Dieu. J'ai supplié Dieu quand Dieu a déposé les démons en chair. Je vous dis très bien que Dieu m'a montré démons en chair. 4 milliards. 4 milliards de démons en chair. Et ça augmente chaque jour. 4 milliards de démons en chair. Ça n'arrête pas là-bas. 999 milliards. 779 millions. 666 555, certains c'est démons qui m'attaquent chaque jour. Démons en chair, Satan et démons. Regarde, j'ai dit Dieu, merci que tu m'as dans le cœur, je comprends. Tu as raison. Tu as raison que tu as mis les démons en chair pour que tu me donnes ton cœur pour les supporter. Dieu, merci que tu m'as donné le cœur pour les supporter. Dieu, je bénis ton saint nom. Si tu ne m'avais pas donné le cœur. Et ces démons-là, entre eux, là, ils se trouvent. Et les gens croient que les gens me quittent. Non! C'est les démons. Je les voyais très bien. Démons en chair. Les démons, les vautours, les cafards, les geckos, les souris. Oh, non, non, non. En éveil, on dit Akanga. Les Akanga. Et ils croyaient qu'ils me quittent, qu'ils vont me faire du mal pour que je souffre, pour que je vais mourir. Hein? J'ai dit, toi tu dis que tu es Dieu, pourquoi tu sais que Judas Iscariot est démon? Pourquoi tu dis que tu as choisi parmi les douze apôtres? Oh Dieu, pardon, pardon, je comprends.
les démons en chair. Ils sont des loups ravisseurs. Ils sont au milieu de nous. Quand ils parlent, tu vas croire que non, ils ont l'onction. Les vrais onctions qu'ils ont, démons en chair. 100%. Papa, le diable. 100%. La reine de la cause. 100%. Sorcière. 100%. Dinosaure. 100%. Vampire. 100%. Dinosaure. Je ne peux pas citer tout ici. C'est eux. C'est eux. C'est tous ces gens-là. Hey Dieu, merci. Tu m'avais donné ton cœur. Si tu ne m'avais pas donné mon cœur, vous devez me oublier depuis fort longtemps. Vous devez me oublier depuis fort longtemps. En fangeant, on devient fangeron. Oui, en fangeant, on devient fangeron. Dieu, merci. On bat le fer quand il est chaud. God, thank you that you gave me your heart. If it were not that you gave me your heart, I could not bear up with all these demons in the flesh. Look at them, their number, 999,777,666,555 demons in the flesh. Look at them, snakes, mice, rats, cockroaches, this and that. They resemble their father, the devil, 100% the devil, 100% their father is, their mother is the queen of the coast, the queen of heaven. God, thank you. Thank you that you gave me your heart. If it were not that you gave me your heart, you should have forgotten me a long time ago. But thank you, God, that you gave me your heart to bear up with them. And it's an apprenticeship that you become a silversmith. Bien-aimé. Beloved. Regardez. Si. C'est comme Paul. It's like que Dieu a mis des démons dans son corps. Like God put a demon in his flesh. Paul veut la guérison. But Paul wants his healing. Il dit, Dieu délivre-moi. Says God deliver me. De ma chair. From my flesh. Mais Dieu l'a dit, ma grâce te suffit. But God says my grace is sufficient. Dieu même a pris des démons déposés dans son corps pour que il devienne orgueilleux. God himself took a demon quand and put it marche, in his flesh. Il regarde son corps tendu comme ça. So that he doesn't become too prideful. He's walking, but his body is deformed. C'est Dieu qui a fait ça. It's God who si did vous voyez deux chroniques, 2 Chronicles 18, là, 18, à partir de 21 jusqu'à 22, là, verse 21 to 22, vous allez voir, you'll see. C'est Dieu même qui a appelé Satan démon. Va, me travailler. Boulot. It's God boulot. Himself who enlisted Satan. He said, you, I need you. Come, do this work for me. Boulot. There's a job here. Job, work. Dieu même, il appelle Satan. God himself, he calls Satan. Il a qu'à le posséder 400 prophètes de Achab, 400 prophètes pour Achab pour le tuer. Go possess 400 prophets. Vas-y. About to kill them. Je lis la parole de Dieu non puissant du Seigneur Jésus-Christ. 2 Chroniques chapitre 18, le verset 20 à 22. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit: moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Praise the Lord. Hallelujah. C'est ainsi. Here, Dieu a mis autour de moi. Here, my God put around les me. Les démons en chair. Demons in the flesh. Pour que je comprends. So that I understand. Pourquoi Dieu a dit que ça l'a fait mal qu'il a créé les hommes sur terre. Why? I understand how God says it pains him that he created man on the earth. Je comprends pourquoi Dieu a créé les hommes sur cette terre, les femmes, les hommes. Et ils se sont laissés les uns dessus, ont venu faire amour avec eux. Ils font des enfants géants. Maintenant, j'ai compris parce qu'ils sont autour de moi, plein. Je vous dis que j'ai fait un rêve quand j'ai trouvé un démon en chair. Je suis venu de la montagne. Je l'ai vu dans ma maison. Quand il m'a vu, il s'est rentré dans le mur. Je l'ai vu et j'ai dit, hé, qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu rentres dans le mur. Wow! Tu rentres aussi dans le mur. Tu es sorcière. Il a gardé silence. J'ai dit, je te vois, non, je te parle. Il dit, tu me vois? Tu vois que je suis seul? Il faut faire tout pour voir tout le monde qui est démon en chair dans le monde entier. Hein?
Oh, il faut voir. Faites tout pour voir tout le monde qui est démon enchaîné sur la terre. Hein? Jésus même t'a demandé, non? Jésus t'a posé une question. Et tu as dit, Jésus, et 4 milliards de démons enchaînés sur cette terre. Quoi? Jésus, hein? Il n'y a pas enfant de Dieu sur cette terre. Jésus t'a dit qu'il faut montrer un enfant de Dieu qui est sur cette terre-là. Lui va te montrer sa source, non? Pourquoi tu n'as pas montré un enfant de Dieu et Jésus va te montrer sa source? Tu vois que j'ai peur. Il faut me dénoncer. Je n'ai pas peur. Dénonce-moi. Je non. Il a dit des mots là. J'ai dit, Dieu, aide-moi. J'ai fait vie pour quitter. Aide-moi. Aide-moi. Je te comprends maintenant. Oh, pardon, mon péché.